Bonjour à tous et à toutes, c'est CubaCraft de la chaîne CJ Games, qui est une chaîne où CubaCraft et Jojo font des jeux, et parfois des jeux à deux. Aujourd'hui, comme c'est notre première vidéo multi sur la chaîne, je fais une vidéo avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, nous allons commencer par une petite sélection de jeux multi, tout simplement, pour se faire chier. Ou pas. Ou pas, ouais. Sur Speedrunners. Allez, c'est parti. Multijoueur, partie personnalisée. Rejoindre, je veux être un putain. Rejoindre. Oui, oui, c'est parce que Vincent n'a pas de manette Xbox, résultat, sur ce jeu. Il est considéré comme un clavier alors qu'il a une manette dans les mains. Logique. Oui, c'est parce qu'il a Xpadder, c'est bon? Ouais, vas-y. Voilà, j'ai fait avancer le minuteur. On est prêt, on est chaud, on est bon. Et on est chaud, papa. Je devrais fermer ma gueule. Alors, Vincent ne sait plus comment jouer. Si, si. Je suis sûr. Ça devrait. Je suis un poulet, fais gaffe. Poulet Power. Oh. Bon, c'est quand même mieux avec le son pour nous, mais comme j'essaye mon nouveau micro, parce que oui, je me suis acheté un nouveau micro. Oui, tant qu'à faire, je me suis fait chier. Un nouveau micro, justement, pour pouvoir tourner des vidéos à deux. Oh fuck. Et voilà comment on se fait. Pour tourner des vidéos à deux. Et donc. J'ai dû m'acheter un micro à 50 euros. Oui, oui, bonjour. Le Bird UM1. Alors, ceux qui aiment bien le son du Bird, c'est un conseil. Personnellement, moi j'aime bien le son. Allez, voilà. C'est pas non plus un micro à Galidad, hein, évidemment. C'est normal, hein, c'est un micro à 50 euros. Mon micro casque coûte 80 euros. Enfin, il y a le casque aussi. Ce qui est normal. Sinon, après, j'avais un micro dynamique que j'avais essayé d'utiliser en fait pour justement pour m'enregistrer Jojo et moi. Sauf que micro dynamique au début, que j'étais pas très renseigné sur les micros. Et donc que je ne savais pas en fait que les micros dynamiques. Oui, je commente en même temps et je bats Vincent. Ça fait 2 victoires à 0. Ah la cruche. Purée. Désolé, j'ai pas fini ma phrase. J'en étais où? Au micro dynamique, c'est ça? Au micro dynamique qui ne peut enregistrer, en fait, qui n'est focalisé que sur un point, alors que le micro de studio enregistre tout autour de lui. Et donc, c'est mieux pour enregistrer à deux. Voilà pourquoi, la raison du pourquoi du comment, qu'il n'y a pas eu de vidéo multi jusque-là sur la chaîne, et du pourquoi du comment, en fait, que la vidéo d'intro n'a pas un bon son, qui est de présentation de la chaîne, qui est marrante, mais qui n'a pas un bon son. Voilà. On en refait une? Ouais, si tu veux. Allez hop. On en refait une et ensuite, soit Vincent est content. Ça m'étonnerait. Soit. Oula. J'ai failli me faire tuer, non? Ouais, j'ai failli. Oh fuck. Bonjour. Voilà, allez, je suis un putain de poulet, ta gueule. Allez, c'est parti. Oui, oui, mon vocabulaire n'est pas terrible. On a le droit de se marrer entre potes. Enfin, c'est comme je l'ai dit, voilà, c'est Sniff, on n'a pas le son. Je pourrais mettre des écouteurs. Ah oui. Je pourrais mettre des écouteurs pour nous, mais ensuite on s'entendrait moins, donc c'est moins marrant. C'est quelque chose. Hein. Bon, je verrai. Je verrai pour les prochaines vidéos. Je trouverai un moyen de qu'on ait le son pour plus d'immersion dans le jeu. Ah oui, évidemment, je le rate. Enfin. Oh, purée. Voilà. C'est la chance à l'étabure. De l'esquive à l'étabure. Le mec. Le mec. Non, 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 je suis pas comme ça, je... Non. Non, 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 croyez ce que vous voulez, je suis pas un type qui se croit super bon. Non, c'est sérieux, là. Ceci était ma technique au connard. Oh, merde. Ça, c'était la mienne. Quel enfoiré. Au revoir. Ouh. Oui, 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 je l'ai. Bye.
sera juste là. Et 1, et 2, et 3, et 4. Au revoir. Oh, je l'ai eu. La victoire d'un poulet. C'est tout. Point. La victoire d'un poulet, c'est tout. Tu veux en refaire une ou un autre jeu? Non, c'est comme tu veux. Ouais, bah... Tu es l'invité chez moi, c'est toi qui choisis. Oh, un autre jeu, vas-y, si tu veux. Un autre jeu? Ok, donc une petite page d'interlude. Et nous revenons tout de suite. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà maintenant sur l'Étale League. Alors, l'Étale League, eh ben, vous allez voir ce que c'est. Hein. Vous allez pas m'embêter. Vous allez voir en jouant, parce que de toute façon... Une image vaut plus que de grands mots. Swim. Ouais, c'est bien ça. Bon, je vais prendre le truc original. Voilà. Alors, random. Très bien random. Le mec il veut pas s'en. Get ready. Play ball. Alors le but du jeu en gros c'est de plier l'autre avec la balle. Sauf que là Vincent n'a pas été prévenu. Et on dit à chaque fois que vous frappez la balle, on va plus vite. Attends. Au pire, on peut montrer. Tourne seconde. C'est mieux de démarrer avec le grand écran qui est derrière. Non, je pense que c'est mieux. Voilà. Oui, on va essayer. Désolé, c'est un commentaire spécial. Les balles traversent les murs. Je suis Candyman. Candyman. Je te reste plus que 3 vies. Je n'en ai pas encore perdu. Tu étais bien meilleur hier soir. Ouais, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas la musique. Ouais, en fait, la musique, je me l'imagine dans la tête. Ah, oh merde, j'ai perdu une vie. Fuck. C'est vrai que t'en as pas perdu. J'adore, je suis le seul en fait qui est assez grand pour la voix. Sans sauter. C'était nul cette partie, c'était nul. Ouais. Vincent, il faut qu'il prenne ça. Ouais, faut que je me remette dans le bain un peu là. Oui, je te laisse même pas changer le personnage, non mais rien. Non, c'est pas clairement. Get ready. Ah moi Candyman c'est bon, on l'adore. Bon, je préférais quand il était en noir parce que si vous voulez, comme j'ai pas mis le jeu en mode administrateur, et du coup j'ai perdu mon set avec les personnages. Voilà. Oh merde, je voulais la retirer. Sauf que j'ai sauté. T'es sérieux? Alors la balle elle peut aller en normalement encore plus vite. On l'a fait hier, d'ailleurs c'était très chaud parce que la balle en fait elle allait tellement vite qu'on voyait plus qu'un trait. Voilà. Pour le public, c'était pas beau. De toute façon, rien n'est beau, hein, seul pour la victoire. Alors normalement, ça peut aller encore plus vite que ça. Donc, vous commencez à imaginer les réflexes qu'il faut avoir. C'est moi où j'ai frappé la balle ou... Oh. En fait j'ai envoyé la balle en hauteur et je l'ai frappé.
Encore plus vite. Alors là, j'ai à peine eu le temps de toucher le bouton. Oh non, regarde, Vincent va tout gagner, c'est parti. Si je te dis que tu la gagneras pas, merde. Je te dis que tu gagneras pas. Oh feu. Et là, le mec mode, je suis un gros rageux. Non, je déconne. Quel jeu. Oh shit. Voilà, là c'était impossible à esquiver, ou presque. Hier ça allait encore plus vite. Alors en fait, je crois que comme ça ça tire. Oh non, putain, j'ai cru que j'allais me la prendre. Franchement, j'ai cru que j'allais me la prendre. Ah, j'y crois aussi. Là. Alors tu veux changer de jeu ou... Non, c'est toi qui choisis, c'est ton invité, je choisis déjà. Ok. Il a tout à fait entendu, ne vous inquiétez pas. Alors, bah moi je garde mon personnage. Les mecs qui gardent les mêmes personnages, ils veulent pas montrer de gameplay. Ils veulent juste un personnage. Oui, bah c'est du random, moi je suis. Oh! Et en plus, quand le l'autre personnage est mort, et bah vous pouvez lui envoyer la pièce dans le décor. Je suis à l'autre bout, j'ai pas le droit de venir. Hein. A ton avis, pourquoi je me suis mis à l'autre bout? Oh non! Ceci était un lobe. En fait, je visais sa gueule. C'est tout. Oh shit! Oui! What? Oh shit! Oh non! Je l'ai vu passer! Oh putain! Oh mais je vous jure! Excusez franchement mon vocabulaire, mais là. Ah! Merde! Ça s'est mis. Non mais! Ça s'est mis en veille! Je sais pas si vous entendez encore, mais ça s'est mis en veille! Bonjour tout le monde sur le troisième jeu qu'on va faire avec Vincent et le dernier. Oui, le dernier. Alors, pour Lethal League, nous avons eu un léger souci de record parce que j'ai fermé mon écran par inadvertance. Vous allez dire le boulet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, je suis un boulet. Résultat, ça a fermé le record, ça a coupé le record et je pensais que le record avait repris. J'ai vérifié aussi que le record avait repris. Mais ça n'a pas sauvegardé le record. Ça n'a pris que 4 secondes. Les 4 secondes où on choisissait juste le perso. Je suis heureux. Ça se sent à ma voix. Vous n'aurez pas la fin du combat sur Lethal League, mais vous aurez du Dragon Ball Xenoverse. Et je prends une pause de stylet, tout simplement, parce que je suis Blitzblade. Alors, je suis en possession du Dragon Ball Xenoverse, le DLC 1 et le DLC 2. Donc, ce qui fait en gros que je peux aller jusqu'au niveau 85. Donc, j'ai un Saiyan niveau 85. J'ai un démon du froid niveau 81, comme vous pouvez le voir. Et j'ai un humain niveau 51. Monter au niveau 81, niveau 80, déjà ça m'avait pas mal embêté. J'avais les deux au niveau 80. Et là, ils mettent un patch pour monter au niveau 85.
Alors, pour passer du niveau 84 à 85, il faut 600 000 d'XP, ou plus. 680 000, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, mais en gros, ça m'a pris pas mal de temps. Résultat, je me suis dit, bon, tant qu'à faire quelque chose, je vais plutôt farmer les boules. En fait, ça ira plus vite pour le dernier niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai farmé les boules de cristal et j'ai demandé à Shenron de monter d'un niveau pour mon Saiyan. Lui, il est niveau 81 et... Avec les maîtres, je suis à fond partout, sauf pour ceux des DLC où il n'y a que Tenchinan de rempli et qu'il me reste Pan et Yamcha. Ça devrait aller. Et niveau technique, ça va. On est pas trop mauvais. Ouais. Je suis pas trop mauvais. Plutôt. Voilà. Je vais peut-être pas tout montrer. Oh si, allez, on montre tout. Vous avez qu'à lire et faire des pauses si ça vous intéresse vraiment. Je suis pas sûr que ça vous intéresse. Mais j'en ai rien à faire. Je monte quand même, juste pour le plaisir. Ah tiens. Ah oui, c'est une attaque de Kira. De Kira. Oui, bien sûr, de Mira. Kira, c'est... c'est dans Death Note. C'est pas pareil. Voilà, il y a aussi point du fantôme comme Rémanence. Oui, cette technique permet d'éviter les attaques à temps pour récupérer un peu d'endurance. Voilà, et ensuite j'ai les techniques ultimes. Alors, je crois que j'ai limite autant de techniques ultimes que de techniques normales. Non, peut-être pas autant. Mais voilà, j'en ai pas mal également. Le Shinkiko, l'attaque de Tenchinan. Radiation ultime. Alors ça, c'est cheaté avec un Saiyan parce que vous le foutez en Super Saiyan et vous faites radiation ultime. Radiation ultime, pour ceux qui connaissent, en gros, ça fait un rayon. Et tant que vous tenez la touche, en gros, ça peut aller jusqu'à 40 coups, je crois, 36. 36 ou 40. Oui, il est 36 coups, ok, merci. Blague de merde. Voilà, donc ça c'est où j'en suis actuellement. Et les évasions, on s'en fiche un petit peu, hein, personnellement. Très important, moi personnellement j'utilise le cri de colère debout. Ça permet de récupérer du ki et d'annuler presque toutes les attaques, quoi. Avant j'utilisais canon à dimension, mais je me suis rendu compte. Oui, je laisse pas parler Vincent aussi. Mais je me suis rendu compte en fait que si on se rate, et bah ça ne sert strictement à rien pendant que le jeu a un drop de FPS pas possible dû à un PC que je dois me racheter, mais que j'ai pas l'argent pour le moment. La tristesse, je voulais jouer à Mortal Kombat 10, mais bizarrement mon PC tient pas. Bizarrement. Et toi? Faut vraiment que je me rachète un PC, hein. Ça commence à devenir urgent. Je verrai si je peux débloquer un peu d'argent. Alors, en attendant, nous allons faire un combat local et je remercie Vincent de ne pas avoir usé de sa manette pour bouger mon personnage. D'ailleurs, Vincent déteste mon personnage. Ouais, il est assez petit, quand même. Je comprends pas. Je le trouve mignon, hein. Non, non. Pourquoi il y a une queue qui sort de ses fesses? Enfin bon, alors, c'est normal, c'est un démon du froid. Donc, il est bien plus soif comme ça. Voilà mon personnage, et Vincent, vas-y, choisis ton personnage. Le personnage de Vincent, c'est Piccolo, il l'adore. Bon, c'est quand même mieux à jouer en ligne, Dragon Ball Xenoverse. En multi en ligne. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement que c'est mieux le système de visée. Le système de visée en ligne est mieux, si vous voulez, c'est comme dans les quêtes parallèles. Ou dans les quêtes, tout simplement. Eh mais, c'est qu'il a pris du poil de la bête. Ah bah, on entend Vincent qui bousille sa manette. Eh, merci, c'est la mienne, hein. S'il te plaît, tu permets. Ah ouais. Sphère destructrice. Ouais. Tu as bousillé mon endurance, je bousille la tienne. Je n'en ai rien à foutre. C'est mieux avec le son, hein. Kamehameha surpuissant. Ouais. Chut.
Couché. Ah ouais. Genre. Vincent qui fait des bruits de bouche, j'adore. Au revoir. Au revoir. Tu peux plus esquiver, t'as plus d'endurance. Hé, hey, ça va pas? Non, t'as plus d'endurance. Oh merde. Bon, ça va, c'est pas la pire qu'il peut faire. Oh. Voilà, bonsoir Vincent. Ça ferait vraiment mieux avec le son. Mais je peux pas mettre de son. Tout simplement. Parce que ça. Quoique. Attendez. Là, je pense pas que vous entendiez. Ou à peine. Peut-être. Voilà. Parce que franchement, c'est beaucoup plus immersif d'avoir ça. Bien qu'on n'entende pas beaucoup. Ouais. Voilà. C'est mieux. Alors moi, comme d'habitude, je prends mon personnage que j'ai créé, que j'ai façonné, que j'ai monté de niveau de mes propres mains. Vous verriez ma tête à ce moment-là, ça ferait vraiment bizarre. Mais c'est pas grave. C'est vraiment bizarre. Ouais, t'es doué. Même inquiétant. Mais bon. Viens là que je te mette la fessée. Bien sûr. Bon, déjà, maintenant, Vincent a compris comment fonctionnait l'esquive. C'est nous qui t'a démontré quand on connaît le jeu. Hum. On veut pas. Alors, je vais vous dire un truc. En fait, Vincent a commencé à jouer à Dragon Ball Xenoverse hier et moi, j'y joue depuis sa sortie. Alors, donc, non, il m'a pas montré esquive. Bah, on y avait joué une fois. Peut-être. Mon attaque est plus puissante. What? Ah ok, ma manette répond, c'est bon. Dégage! Ah, la charge du faucon. Vous pouvez la voir avec l'entraînement de Gohan. Ah, c'est génial. Non, ça c'était l'attaque volleyball. Faut être plus près, Vincent. L'attaque volleyball, vous la débloquez en faisant l'entraînement de Tenchinan. Oui, je vous spoil le jeu. Non, je déconne. C'est pas vraiment du spoil puisque je vous dis où avoir les techniques. Ça va. Et les techniques, de toute façon, ça c'est, hein. C'est écrit dans les quêtes parallèles. Et ce qui est pas dans les quêtes parallèles, et bah, vous savez où c'est. Soit c'est dans le magasin de technique. Au revoir. What? What is this bug? Ça va, cette attaque-là est pas terrible. Ah, ça c'est chiant, hein. Pourquoi tu t'es remis devant moi en fait? Oh merde, je t'ai raté. Bonsoir Vincent. Enfin bref. Allez, encore une partie? Le mec chiant. Pourquoi tu fais retour au choix? Parce que je veux changer. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, j'hésite. Merde, j'hésite entre Gogeta et Gogeta. On va prendre Virus. Alors. J'ai tellement un esprit de contradiction.
Tu pouvais aller dans l'autre sens aussi. Pourquoi t'as pris Son Goku? Je sais pas, je voulais tester. Beerus est plus puissant. Pour pouette. Je sais pas par contre si Beerus il est aussi. Il est plus puissant que Gogeta. Je crois pas. T'as plus assez d'endurance. Tant mieux. Waouh. Ah bah c'est gentil de t'être rapproché. Cette attaque, j'aime bien. Elle fait plein de dégâts. Oh là là. Ah merde, Son Goku m'énerve quand même. Bah oui. Je suis toujours sérieux. Moi. Ça s'est vu depuis le début de la vidéo, je suis sérieux. Hein. Ouais. Pourquoi tu fais pas une super attaque? Au revoir. Oh l'enfoiré, il a esquivé. On va te toucher quand même. Ouais. J'ai plus d'endurance, je peux plus courir. En lançant lui des petites bouboules en attendant. Ah bah non merde, j'ai récupéré mon endurance. Au moins j'en ai enlevé un petit peu. C'est gentil de t'être approché. Tu es mort. Oh même pas. Oh le connard. Oh le connard. Il se donne tu veux. Non. Il a gagné. Putain, première fois qu'il gagne. Première fois que je gagne, je crois là. Champion. Champion. Ah, champion. Champion. Je reprends Miss Bay. J'avais presque rien en vie là. Moi je crois que je vais garder Son Goku. Oh putain, t'aurais pas esquivé cette attaque. Pourquoi j'ai pas fait Sphère Destructrice en fait? Ah oui, parce que je me suis tombé de touche. Ça fout de la chance. Oh merde, l'enfoiré. Bon, non, on prend Gogeta. Si ce con il prend mon perso. Ah ouf, merci. Regarde, il a une auréole sur la tête, il est bien. Le pire c'est qu'il le prend. Bon non mais ça va, c'est Son Goku, il est beau. Ouais. Pot, pot, pot. Bon n'empêche, je suis sûr que ça va durer très longtemps. C'est notre dernier combat hein, parce que. Ouais. Bonjour. C'était quoi ça? Big Bang Kamehameha poisson. Ça c'était le plus petit. Il fait pas mal déjà. J'étais gentil, je te l'ai pas mis le Big Bang Kamehameha sur mon autre perso. Par contre, l'inconvénient de cette attaque, en fait, c'est qu'elle ne bouge pas. On peut pas la changer de sens. Sauvé par sa propre attaque.
Meurs. Ah oui, merde, j'ai pas assez chargé là. Moi aussi je l'ai. Par derrière. Ça, t'es pas mort. Enfin, ouais. Le pire, c'est qu'il le spam, quoi. Boum. Voilà. Équipe papa. Ah là 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 là. Je fais ça pour l'embêter, c'est bien. Bon, voilà, alors j'avais dit que c'était terminé parce que après ça fera pas mal de temps et que j'aimerais pas foirer cette vidéo avec un cri désobligeant, un bruit désobligeant ou n'importe quoi, ou une note salée pour Vincent. D'accord. Une victoire sur combien de parties? Mettez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Mettez-moi ça parce que j'ai pas envie de regarder la vidéo une deuxième fois. Non, bien sûr qu'évidemment, je regarde la vidéo une deuxième fois avant de la mettre en ligne. Oh. Ou pas. Allez, quoi qu'il en soit, au revoir tout le monde et à la prochaine. C'était CubaCraft en compagnie de son pote Vincent pour la première vidéo en multi sur les chaînes de Cuba et Jojo. Bien évidemment, son Jojo. Alors, allez, salut tout le monde.